Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir du charisme, comment devenir une femme charismatique. À ce propos, si c'est un sujet qui vous intéresse, alors rejoignez-nous immédiatement pour l'immersion 5C. L'immersion 5C, c'est quoi? C'est un événement en ligne inédit et exceptionnel que je vous ai préparé, durant lequel vous allez avoir accès à 3 ateliers pendant 3 soirées d'affilée. Lundi, mardi, mercredi, on fait chaque soir un atelier. Et le 4e soir, jeudi soir, on va faire une conférence en direct durant laquelle je répondrai à toutes vos questions et je vais vous donner mes plus grands secrets, ceux qui m'ont permis de passer d'une femme timide, désespérée, voilà, je ne vais pas vous mentir, j'étais vraiment au fond du gouffre, à la femme que je suis aujourd'hui avec mon entreprise, la chaîne YouTube, conférencière, etc. Donc je vais vraiment tout vous livrer. Donc si vous voulez avoir les clés pour obtenir les 5 C qui sont être confiante, être convaincante, être consciente dans la stratégie de communication, être charismatique et être connectée, avoir cette paix intérieure, inscrivez-vous immédiatement pour l'immersion 5C. Alors, le premier point que je voulais vous partager pour avoir beaucoup plus de charisme, être beaucoup plus crédible, plus convaincante, eh bien, c'est de travailler votre manière de bouger. Et oui, on est des êtres sociaux et on s'observe, d'accord? Et dans votre façon de bouger, ça va faire toute la différence. J'en discutais avec mon assistante tout à l'heure, on parlait de Marilyn Monroe. Eh bien, Marilyn, si elle voulait être discrète, eh bien, elle avait une façon de bouger qui était totalement banale. Et dès qu'elle voulait se mettre en mode Marilyn Monroe, il suffisait qu'elle se mette à marcher comme Marilyn Monroe marche. Et là, boum, tout le monde la reconnaissait dans la rue. Vous voyez, l'attitude, le langage corporel, ça change tout. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de clientes que j'ai. Dès qu'elles se mettent à appliquer ce que moi j'appelle les signaux d'assurance, hein, tout ce qui est posture de puissance, etc., la bonne gestuelle, mais tout change. Et quand je vous dis que ça change, c'est en l'espace de 24 heures. Parce que dans la même situation, les mêmes interactions, si vous vous comportez différemment, simplement corporellement, eh bien, cela va avoir un impact sur les signaux que vous envoyez à vos interlocuteurs, sur la façon dont ils ont de vous considérer, et même sur la prise de décision. C'est extraordinaire. J'ai des clientes qui m'ont dit, mais mes collègues ne me parlaient jamais, j'ai appliqué les signaux d'assurance, j'ai appliqué les outils de la méthode STER, et donc la méthode STER que j'ai créée, et c'est incroyable. Aujourd'hui, les gens ont commencé à venir me parler, on m'a posé des questions, ils se sont intéressés à moi alors que j'ai rien fait de spécial, mis à part travailler ma façon de me tenir. Donc ça, c'est très important. Le premier point, notez-le, vous devez travailler votre langage corporel et il y a une multitude de paramètres à connaître. Et vraiment, ce n'est pas difficile. C'est juste qu'il faut connaître, avoir accès à ces informations, vous les appliquer et votre communication tout entière commence à changer. Avant de passer au point numéro 2, je voulais absolument vous rappeler que je vous offre un bilan avec un membre de mon équipe. C'est un rendez-vous téléphonique qui peut véritablement tout changer. Je suis très sérieuse avec ce bilan parce que c'est gratuit. Il n'y a rien qui vous empêche de faire cette demande pour le bilan. Et je sais à quel point ça vous aide parce que vous êtes au téléphone avec une personne bienveillante, professionnelle. Vous allez enfin être écouté, considéré et vous allez comprendre à quel point vous avez cette puissance intérieure, vous avez cette capacité à avancer et à évoluer et à devenir cette femme que vous avez toujours voulu devenir. Alors, si vous n'avez pas encore fait votre demande pour le bilan, cliquez tout de suite sur le lien dans la description. Point numéro 2. Alors, la deuxième chose pour développer votre charisme, eh bien, c'est de savoir s'affirmer. Et je sais que vous êtes nombreuses à me regarder, à être des femmes hypersensibles ou timides ou... Voilà le fameux syndrome de la petite fille dont on parle souvent. Et le problème, c'est que quand on n'arrive pas à s'affirmer, on n'arrive pas à prendre position, eh bien, on n'est pas du tout charismatique, puisque finalement, on est invisible, j'ai envie de dire presque insignifiante. Et donc, c'est à l'opposé du charisme. Vous rentrez dans une pièce, bah, comme vous avez peur de faire une bêtise, de dire une bêtise, on ne vous remarque pas. On ne se demande pas qui vous êtes. On n'a pas envie d'aller vous voir. On n'a pas envie de vous poser des questions. On ne s'intéresse pas à vous. D'accord ? Donc, savoir s'affirmer, savoir se positionner, c'est extrêmement important. Malheureusement, si vous êtes coincé dans des conditionnements, si vous avez des peurs, si vous êtes stressé, ça va être tout un processus à mettre en place. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, j'ai créé la méthode STER pour ça. Donc, STER qui signifie escalier en anglais, mais qui signifie surtout système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle, parce qu'il y a cette autonomie à travailler intérieurement pour vous sentir bien forte en puissance, et toute cette intelligence relationnelle pour
comprendre les tenants et les aboutissants de la communication entre les êtres humains et savoir quoi dire, quoi faire, quoi répondre au bon moment. Donc tout ça, ça se travaille, mais vous devez garder en tête que c'est fondamental d'apprendre à vous affirmer. D'accord ? Vous ne pourrez pas être charismatique si vous restez invisible, timide, que vous ne savez pas vous positionner, que vous avez peur du regard des autres, si vous subissez par exemple du chantage affectif, que les personnes toxiques se régalent avec vous. Non, là on est vraiment à l'opposé du charisme, mais encore une fois, ce n'est pas grave. Okay ? Si aujourd'hui vous prenez conscience que waouh, vous avez du chemin à faire grâce à cette vidéo, j'ai envie de dire que c'est un bon point de départ. Okay ? Il y a toujours un moment où on prend conscience du problème et c'est seulement quand on a conscience du problème qu'on accepte ça, qu'on peut travailler dessus. Et là, pour travailler dessus, eh bien, je suis là, il y a cette chaîne YouTube, donc pensez bien à vous abonner. Il y a le bilan personnalisé qui est totalement offert, donc là aussi, ça nous permet d'évoluer. Évidemment, après, il y a la Ster Academy pour celles que ça intéresse. Donc, vous le voyez, il y a énormément de moyens de travailler là-dessus, de progresser, de vous sentir mieux, d'être beaucoup plus convaincante. Donc, ne vous rabaissez pas, d'accord ? Si vous prenez conscience que, waouh, vous êtes très, très loin de la femme charismatique que vous voulez devenir, c'est pas grave, ok ? On passe toutes par un premier chapitre, on passe toutes par un niveau débutant. Il faut juste l'accepter et se mettre au boulot, ok ? Et vous êtes en train de regarder cette vidéo, donc c'est déjà la preuve que vous êtes déjà en train de travailler sur vous. Donc soyez fiers de ça, vraiment soyez fiers de vous. Alors le troisième point pour avoir plus de charisme, eh bien, c'est d'avoir une gestion au top. Alors quand je parle de gestion, c'est vraiment sur tous les plans, d'accord ? Il ne s'agit pas de se jeter corps et âme dans votre vie à fond parce qu'il faut être en force, il faut avoir une force mentale. Il ne s'agit pas du tout d'aller vers le burn-out, pas du tout. Mais c'est de gérer votre vie avec souplesse, comme une chef d'orchestre. Alors, quand on parle de gestion, c'est autant la gestion du temps que la gestion de votre énergie, la prise de décision, avoir ce leadership personnel, savoir prendre vos décisions, etc. Ça, on en reparlera dans d'autres vidéos, donc pensez bien à vous abonner à la chaîne. Moi, j'appelle ça le triptyque de la réussite, c'est qu'il y a certains axes, certains paramètres à bien gérer pour que tout roule, en fait. Vraiment que ça roule, ça glisse et que votre quotidien ne soit plus quelque chose de subi à cause d'une charge mentale, à cause de contraintes. Alors parfois, c'est les enfants, parfois vous êtes aidante, que ce soit avec vos parents ou d'autres membres de la famille, frères et sœurs, etc. C'est avoir cette capacité de jongler avec souplesse, avec du recul, avec une clarté aussi à l'esprit et finalement pouvoir gérer votre vie en sachant où vous allez, en profitant de l'instant présent et en étant vraiment consciente de tout ce qui se passe. Et en étant fière de vous, vous faites au mieux, vous faites de votre mieux. Et du coup, vous êtes en paix avec ça. Quand je vous parle du cinquième C, de l'immersion 5C, le C pour connecter, c'est ça aussi. C'est d'être connecté à vous-même, à vos valeurs, à vos besoins, à vos envies, à la qualité de votre vie, la qualité de vos relations. Et là, vous dites ok, je gère. Même si c'est compliqué, on a toutes des défis, d'accord ? La vie est faite de défis. Donc, soyez fiers de vous, croyez en vous. D'accord ? Continuez de regarder les vidéos telles que celle-ci, abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à l'immersion 5C parce que ça va vous donner énormément de clés et soyez fiers de la personne que vous êtes, soyez fiers de la femme que vous êtes en train de devenir. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo et aussi à l'immersion 5C.